Bonsoir à tous, c'est la persistance de conditions anticycloniques qui est attendue pour ces prochaines 24 heures. Elle sera accompagnée d'un flux de sud-est particulièrement chaud pour la saison. Conséquence sur le Grand Ouest demain, et bien du ciel bleu partout, tout au plus quelques cirrus vers le Morbihan. Et puis une chaleur remarquable, voire exceptionnelle pour une fin mai avec plus de 10 degrés de trop l'après-midi. Comptez jusqu'à 31 degrés par exemple au meilleur de la journée ici à Nantes. Dans le détail, sur la Loire-Atlantique, demain matin, du plein soleil pour tout le monde également. Très doux dès le lever du jour, avec environ 5 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. Euh, on à 16 degrés à Saint-Nazaire, contre 15 degrés à Châteaubriand, 16 à Anceny. Le temps sera toujours parfaitement ensoleillé dans l'après-midi avec de rares cirrus vers le nord du département et puis ceci sera accompagné d'une forte chaleur partout y compris sur le littoral sous un petit vent du secteur sud-est. Un vent d'est à sud-est modéré donnant une mer peu agitée et une petite houle de nord-nord-est de moins d'un mètre, ceci avec des coefficients de marée élevés ici à Le Croisic et Pornic. Du soleil et de la chaleur encore prévues pour ce week-end à Nantes. Malgré quelques orages attendus entre dimanche et lundi, il fera plus frais et nuageux. Ensuite, une météo instable nous attend pour le début de semaine, alors que la tendance à Saint-Nazaire est à peu de choses près la même. Des orages entre dimanche et lundi faisant chuter le thermomètre. On passera de 23 degrés samedi ou dimanche à seulement 18 la journée de lundi. Voilà, je crois que vous savez l'essentiel concernant ces nouvelles du ciel. N'oubliez pas de fêter les Bérangers demain en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente soirée sur Télé Nantes.